Bienvenue à vous et à toi qui visionnez cette vidéo. Bonjour Maryse, donc j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir pour faire ton interview. Merci d'avoir accepté l'interview. Bonjour et avec grand plaisir. Donc tu es réveilleuse de potentiel et de bonheur et tu as créé la communauté Leadership au féminin. Oui. Ta définition du mot leadership? On a tendance, si tu veux, dans la définition de leadership, à dire c'est quelqu'un qui a un certain niveau, qui... Tiens, on a un invité. Hello. Hello, toi. Mais en fait, on est leader. On peut être tous leaders, mais leaders de notre vie déjà, de pouvoir faire nos propres choix. Et moi, je pense que c'est une première définition que j'ai envie de partager, faire vos choix. Alors, leadership féminin, en tant que femme, de pouvoir s'affirmer, pouvoir oser, pouvoir être, on va inspirer d'autres femmes, et c'est génial, mais leader de sa vie d'abord, en plus de son business, oui. Selon toi, quelles sont les principales et indispensables qualités pour être une véritable leader? Alors, je dirais la bienveillance. Moi, c'est important. L'écoute aussi et l'authenticité. Pour moi, c'est important. Je vais aller vers quelqu'un qui m'inspire et qui a cette authenticité, pas quelqu'un qui met un masque, qui est dans la manipulation ou l'ego, etc. Ça ne me plaît pas. Alors, on a tous un peu d'ego, on est bien d'accord, mais j'ai besoin de sentir cette authenticité. Pour moi, c'est une de mes valeurs parce que justement, toute ma vie, j'ai mis des masques. Moi, j'étais enfant plutôt... introvertie, qui se cachait, en plus hypersensible, Bill, s'il te plaît, on m'a qualifiée du coup de susceptible. Donc du coup, j'ai dû mettre des masques pour pas montrer ce que je ressentais parce que du coup, dès qu'il se passait quelque chose, c'est elle est susceptible, elle est susceptible. Voilà, donc je me suis protégée. Donc aujourd'hui, après avoir vécu un burn-out, avoir touché le fond, 6 mois de super difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées aujourd'hui. Eh bien, j'ai réussi à reprendre ma vie en main, à faire mes propres choix et à oser m'affirmer, à oser être moi. Parce que je ne vivais pas ma vie, que je répondais aux attentes de tout le monde et que je m'étais sacrifiée. Donc, j'ai tombé les masques. Donc, j'enlève des couches hein, pour être moi, pour vivre ma vie en fait. Il y a donc quelque chose de tourné vers les autres et du coup, c'est assumer qui on est et ses émotions, parce que tu n'as pas une sensibilité. Alors, tourné vers les autres, oui et non. C'est-à-dire que si tu veux, en 2012, quand je prends conscience que il faut que j'arrête là parce que sinon, comment dire, je touche le fond et j'arrête là ma vie. Voilà, j'en étais à ce point-là. Quand je décide de sortir de cette étape-là, qui est ma renaissance, je fais le choix de mettre mon bien-être en priorité. Et ensuite, de pouvoir faire les choses qui m'animent. Moi. Et pas de répondre aux attentes de l'environnement. Parce que j'avais un environnement qui ne me soutenait pas, qui ne m'encourageait pas et qui, à la limite, me disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Prends un job comme tout le monde. Salarié, tu pointes, tu as fini à 17h. » En fait, c'était ça, quoi. Donc, c'est difficile d'évoluer dans un contexte comme ça. Et j'ai évolué comme ça toute ma vie jusqu'à ce que je touche le fond et que je me rende compte que finalement, je n'étais pas heureuse, que j'avais une profonde tristesse. Alors, 2012, c'est ma date. C'est une date pour moi importante. Malgré ce que j'ai pu vivre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je l'accueille. Parce que quand je vois ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu mettre en place... En regardant, comme je dis, je ne repars pas dans le passé, moi. Je regarde dans mes rétroviseurs, là. Je fais ça et je me dis, waouh. Je suis passée par plein de choses jusqu'à aujourd'hui. Et je dis toujours, j'étais dans une tempête. J'étais malmenée par les événements, par les choses. J'ai dû travailler sur moi, sur mon intérieur, sur mon développement personnel pour pouvoir m'affirmer, pour me connaître les valeurs, mes valeurs. Et les assumer et surtout apprendre à prendre ma place en fait. À prendre ma place en tant qu'être humain.
C'est même pas en tant que femme ou en tant qu'être humain déjà, quoi. Et cet état d'esprit d'être leader pour soi déjà, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui s'apprend, cette notion de leadership? Alors moi, j'ai toujours aimé prendre les choses en main, j'ai toujours aimé, et si tu veux, dans les jobs que j'ai eus précédemment, je me suis souvent retrouvée un peu comme le chef d'orchestre. Donc, j'étais sur des gros projets économiques et sociaux. Je travaillais avec différentes structures associatives sur une thématique pas facile, hein, la violence féminine, etc., liée aux femmes. Et j'avais mené tout un projet, mais moi, j'étais le chef d'orchestre, si tu veux. Et avec cette écoute, cette bienveillance, cette empathie, et puis de permettre aux personnes d'avancer, en fait. Donc ça, c'est quelque chose je pense qu'il y a une idée qui est en moi depuis toujours, qui demandait juste à être, à se révéler pleinement. Parce que je le faisais, mais ponctuellement, tu vois, ce projet. Et puis après, on me redemandait de revenir à ma place. Alors qu'aujourd'hui, je prends ma place en étant qui je suis, en partageant ce qui m'anime, en accompagnant des femmes justement à trouver l'équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle, mais à pouvoir se révéler pleinement, à oser être qui elles sont. Réveilleuse de potentiel et de bonheur. Et justement, donc, tu parlais de ces femmes. Et donc, tu as créé le groupe Leadership au féminin. Donc, pourquoi tu as envie de créer cette communauté? Qu'est-ce qui fait vibrer dans cette communauté? Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir partager l'espoir que c'est possible. Tu sais, en 2012, en fait, c'est comme si je me prenais une méga claque et je prends conscience que j'ai le potentiel pour faire tout ce que je veux. C'est comme si on te disait, tu sais quoi, tu vois le gros gâteau là-bas, ben, tu peux l'avoir. En fait, c'est un peu ça. Alors, c'est humoristique, le gâteau, ok. Mais en fait, c'est tout à fait ça. On te dit, écoute, là, je prends conscience que tout ce qu'on m'a dit avant, par le passé, parce qu'on m'a dit arrête de rêver, garde les pieds sur terre, tu crois pas que tu vas y arriver, toutes ces choses-là. Et là, je me dis, non, mais attends, je découvre le développement personnel et là, waouh, j'ai le potentiel de faire tout ce que je veux, condition que ça vibre à l'intérieur. Ah, c'est juste énorme. Donc, j'ai décidé de créer cette communauté, pour justement partager ça, partager l'espoir que c'est possible. Tu sais, tu as des personnes qui sont pas bien en ce moment. Et le fait de partager cette étincelle, cet espoir, ça change tout. Et puis, je suis convaincue, si tu veux, que c'est ensemble que nous allons avancer et pas seuls dans notre coin, dans cette compétition. Non, ensemble. Moi, je partage les choses que j'apprends, que j'applique, qui fonctionnent. Et je le partage à mes clientes, à ma communauté, pour justement qu'elles puissent avancer. Et réveilleuse de potentiel et de bonheur, ça consiste en quoi? Alors, l'anecdote, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, on m'a dit cette phrase-là. Tu m'as réveillée, tu m'as éveillée. Et effectivement, il y avait son potentiel et il y avait le bonheur derrière, quoi. Donc, du coup, j'ai choisi d'utiliser cette phrase parce qu'elle résonne, en fait. Réveilleuse. Je suis juste là, un élément extérieur qui vient vous accompagner à un moment donné. L'objectif, ce n'est pas de vous rendre dépendante de moi, on est bien d'accord. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes que j'accompagne en avance ensemble, je les accompagne, je les amène à ce qu'elles puissent sourire, elles puissent rayonner, elles puissent, tu sais, transcender tout ça pour qu'elles, waouh, elles s'ouvrent. Et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est juste génial. Quand tu as une cliente qui te dit qu'il y avait une problématique par rapport à l'argent, le syndrome de l'imposteur, et qui me dit à ma dernière séance, Maryse, tu sais ce que j'ai dit à mon client pour l'argent, hein? Eh bien, vous n'allez pas acheter mon service, vous n'allez pas acheter mon accompagnement, vous allez investir en vous. J'ai investi en moi, mes formations, mes accompagnements. Ben, vous allez faire la même chose, vous allez investir. Et là, elle lui dit très clairement,
Nous sommes le 1er avril 2021. Allez-vous choisir d'investir en vous? Quand elle m'a dit ça, je waouh, mais j'ai trouvé ça énorme, énorme. Alors qu'elle avait peur d'annoncer ses tarifs et qu'elle se vendait pas à sa juste valeur, donc on a travaillé tout ça. Mais c'est énorme parce que justement, elle a, là, elle rayonne. Et la valeur qu'elle apporte. Ah mais complètement, elle est complètement alignée à ce qu'elle apporte, sa valeur. Et du coup, bah, les clients viennent à elle. Elle me dit, Maryse, écoute, c'est un truc de fou. Mais en pas longtemps, elle a doublé son chiffre d'affaires. C'est top. C'est génial. L'argent n'est pas le problème. C'est le rapport qu'on a à l'argent et la valeur. Les croyances sur l'argent. Tu travailles sur les croyances sur l'argent? Oui, bien sûr. Alors, bah, toutes les croyances limitantes, hein, de toute façon. Si tu veux, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que d'abord, je suis toujours à l'écoute de la personne. Je n'ai pas un protocole fixe que j'applique comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes uniques. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des problématiques qui sont différentes. Bien sûr, il va y avoir des points communs sur l'argent, sur le syndrome de l'imposteur, la peur de la réussite. Mais après, ce qu'il y a derrière, c'est propre à chacun de nous, à notre histoire. Elle est unique. Nous sommes uniques. Donc, du coup, je m'adapte. C'est un accompagnement personnalisé. Ce n'est pas une recette que je fais qui est la même pour chacun d'eux. J'ai une personne qui me disait l'autre jour, elle me dit, mais donc, à la première séance, on fait le bilan, OK. Et à la deuxième, on fait quoi? Eh bien, à la deuxième, on va voir ce qui arrive. On va travailler sur ce qui arrive ensemble. Parce c'est que vraiment ouais, personnalisé, individualisé. Il y a pas de, ça dépend de la personne. Ouais. Mon approche, c'est important aussi. Tu vois, je me dis coach d'affaires, formatrice. Mais en définitive, il faudrait que je change le titre parce que je suis sur un accompagnement aussi bien sur le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel et l'énergétique. Et en plus, je l'accompagne dans tous les domaines de vie. Parce que je pars du principe que si la personne à l'intérieur, elle n'est pas bien, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas développer son activité. Donc, je passe par elle. Et c'est en travaillant sur elle que son activité se développe. Oui, sa business, ça part déjà de soi. D'accord. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'ancien schéma qui vont te dire, non, non, mais attends, moi, je me consacre à mon activité et je vais travailler sur moi plus tard. Grossière erreur. Grossière erreur. D'ailleurs, bah, écoute, je vous invite, pour toutes les personnes qui nous regardent, j'ai une masterclass offerte où je vous partage les 5 clés d'un business florissant. Et vous allez voir, donc ce sont des choses que j'ai expérimentées, que je vous partage et que j'ai aussi partagé avec mes clientes et qui ont des résultats aujourd'hui. Ok. Et on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, toujours Maryse Caisson pour me retrouver avec mon prénom et mon nom. Voilà, donc après, sur Internet, il y a mon site, maryse.caisson.now.site. Oui. Et voilà, donc vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, oui, bien sûr. Super. Et alors, en tant qu'experte de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous partager, surtout que pour prendre soin de soi ou pour rester focus, où je vois que par exemple là, au moment où on enregistre cette vidéo, nous sommes le 1er avril 2021 et malheureusement ce n'est pas une mauvaise blague, mais hier le président de la République, hier le président de la République nous a annoncé un troisième confinement. Le 1er avril 2021, ce n'est pas une blague malheureusement. Est-ce que par exemple, il y a un conseil pour est-ce qu'on stoppe son activité? Je vois des thérapeutes qui vont consulter en ligne. Il y a peut-être des. Est-ce que tu as un conseil pour pas se laisser happer par cette mauvaise nouvelle et puis continuer à focus et à rebondir? Alors, je dirais que la première des choses, c'est de, bien sûr, on est tous humains, moi la première,
par rapport à ce qui arrive, on se dit oh non, encore! Et c'est de gérer l'émotion qu'il y a là. Déjà, la première des choses, je dirais que c'est ça. Ensuite, je vais vous partager mon expérience il y a un an. Il y a un an, je faisais mon webinaire où je proposais mon programme de formation, mon premier programme de formation en ligne. Et 48 heures après, allez, c'est parti, le confinement est annoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu un moment de pause où les personnes ont eu besoin de digérer cette nouvelle-là. Et puis ensuite, j'ai continué à leur expliquer, leur parler de ce que je leur proposais. Et alors bien sûr, j'ai eu des femmes qui ont choisi d'investir en elles et en leur business. Et ça a fait toute la différence. C'est juste énorme ce que ça leur a permis, cette transformation. Et au lieu de se dire, ben écoute, mon moral, il va tomber, mon activité aussi, ben en fait, elles ont fait ça parce qu'elles ont trouvé d'autres manières de se réinventer, d'avancer, de développer leur activité. Et c'est pareil pour moi. J'ai fait la même chose. Et là, bah, mardi soir, masterclass, les 5 clés pour développer un business florissant. Et allez, rebelote. Pas 48 heures, 24 heures après confinement. Quoi vous dire? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont touchés. J'en ai conscience. Certains sont à l'arrêt depuis des mois. C'est difficile, mais profitez de ce temps. Ne vous laissez pas happer par la peur. Profitez de ce temps pour investir en vous et en votre business. Il y a toujours des solutions. De l'argent, on en trouve. Je peux vous garantir que je suis passée par des moments où l'argent, il n'y en avait pas. Et pourtant, je me débrouillais d'avancer. Je me débrouillais de me faire accompagner de suivre les formations qui me permettaient de faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Donc, regardez la masterclass parce que les 5 clés sont juste énormes. Franchement, on ne peut pas mieux faire. Et ensuite, vous allez découvrir mon programme unique parce qu'il n'existe pas. J'en ai jamais trouvé, j'en ai fait pas mal. Beaucoup de programmes où c'est d'une richesse, mais d'une lourdeur aussi. Il faudrait faire que ça pendant plus d'un an. Et en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on n'a pas ce temps-là parce qu'il faut faire rentrer de l'argent aussi pour vivre. On est bien d'accord. Donc, j'ai créé un programme que j'aurais aimé trouver, un programme unique à la fois de formation, de suivi et de coaching. Unique parce que ça n'existe pas. Quand je vous dis suivi, c'est un réel suivi. Et ça, c'est important parce que je n'avais pas envie de vendre une formation et que les personnes le prennent, fassent 1%, 10%, 20, 30, 40, et puis bon, arrête à un moment donné. Vraiment, mon objectif, ma démarche, c'est de vous amener à cette transformation pour que vous puissiez avancer sur votre développement personnel et professionnel. Donc, d'une richesse, 6 mois. C'est vrai qu'on voit beaucoup de formations en ligne et on a tendance à. Moi, je l'ai eu fait, je ne sais pas toi aussi, mais la boulimie de la formation, c'est-à-dire qu'on se forme, on se forme, on se forme, mais du coup, on n'est plus dans l'action. Et c'est vrai que quand on est. L'avantage des formations en ligne, bah, c'est en ligne, on peut le faire quand on veut, mais c'est qu'on peut aussi vite décrocher. Donc là, ta formule, c'est justement un accompagnement justement où tu es présente avec les personnes que tu accompagnes. Suivre ta formation. Il y a sûrement du sur-mesure aussi. Et puis, il y a d'autres choses de nouveau, Plein de original surprises. dans ton programme. Il y a plein de surprises. Alors, non seulement on va être sur des thématiques pour vous faire rayonner, pour oser être vous, pour être magnétique, pour exploser comme un feu d'artifice. Voilà, aujourd'hui j'ai mis des paillettes parce que je me suis dit, allez, 1er avril, hein, il faut mettre un peu de fun dans cette vie. Parce que c'est ça en fait. On va amener de la légèreté dans notre vie, dans nos business pour avancer. Et puis, on va avoir aussi des expertes que je vais inviter qui vont venir vous donner des conseils. Donc ça, ben, je vais de super expertes. Allez, le retour de Bill. Une expert ou un expert. Voilà, c'est mon expert qui m'accompagne. Et puis, il va y avoir aussi des choses pour vous amener à prendre soin de vous pour votre bien-être. Parce que ce que je souhaite, c'est que vous soyez en énergie, que vous gardiez l'étincelle. Bien sûr, comme je dis à mes clientes, on ne peut pas toujours être là. Des fois, je suis là, des fois, je suis là, des fois, je suis là. Des fois, ça m'arrive d'être là. Et quand je suis là, je vais faire des choses qui vont me permettre de remonter. Je ne vais pas basculer. Et c'est ça l'objectif.
Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir l'étincelle, vous puissiez être à l'écoute de votre corps, vous puissiez avancer et pour justement vous dire, bah, j'ai 6 mois, 6 mois où je suis accompagnée, 6 mois où j'ai une équipe avec moi, derrière moi, qui va me propulser. On va être là avec vous et faire ça. Un groupe, en fait. Il y a du business, on travaille sur l'émotionnel, l'énergie. Oui. Sur tous les et domaines. Sur le quantique, sur toutes ces choses-là qui me semblent super importantes parce qu'en fait, au plus on fait le focus sur quelque chose, par exemple, on parlait de l'argent tout à l'heure, au plus tu te dis, oh là là, il faut que je gagne de l'argent parce que sinon je vais être dans la merde. Excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai ça ici, je vais attirer à moi ce sur quoi je mets le focus, c'est-à-dire la merde. Donc, ça va arriver à un moment donné. Donc là, non, on va changer tout ça. On va changer tout ça pour vous permettre d'avoir un mindset différent. Et je peux vous garantir que je ne suis plus la même femme aujourd'hui que celle que j'étais en 2012, 2011 même. D'ailleurs, tiens, un jour, je vous partagerai une photo. Je ferai comme ça, la moitié-moitié, vous allez voir. C'est juste, je pense que la transformation est juste énorme. Pas que physique, parce que on véhicule des choses sur l'apparence déjà, quoi. Et tu parlais de ton burn-out, du coup, comment toi, tu as retrouvé cette étincelle, cette flamme, cette envie de rebondir, de te sortir ton burn-out, en fait? J'ai eu 6 mois où j'étais au fond. C'est-à-dire que j'étais habillée survêt en noir, pas maquillée. Je me levais le matin parce qu'il fallait que je mène ma fille à l'école. Bill, d'accord. Et je rentrais, je dormais. J'ai eu 6 mois comme ça, quoi, où j'étais vide, sans vie. Et en même temps, j'essayais de trouver les choses. Je demandais de l'aide. Je demandais, qu'est-ce que je peux faire? Venez m'aider, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Et puis, tu sais, on parle d'énergétique. À un moment donné, je me suis quand même posé la question. J'avais deux solutions. Soit je m'en sortais, soit c'était fini. Donc j'ai vraiment conscience, quand quelqu'un me dit je ne suis pas bien, de ce que ça veut dire, de ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, c'est comme si on était venu me chercher. C'est comme si on était venu me dire, Maryse, ce n'est pas ton heure, tu as des missions à accomplir. Ce n'est pas ton chemin, ça. Et j'ai ressenti une lumière, quelque chose de très fort qui est venu m'extirper de cette noirceur, quoi, de ce trou là dans lequel j'étais. Et à partir de ce moment-là, bah, tu sais, j'avais des personnes qui venaient à moi, qui me redonnaient l'espoir, qui me partageaient. Et du coup, là, mais vraiment, du jour au lendemain, de terne et sans vie, je suis redevenue pétillante, c'est comme si j'avais été, tu sais, zébulon, là. Je faisais des bonds. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris ma vie en main, mais vraiment, du jour au lendemain. Et j'ai négocié mon licenciement parce que j'avais un job salarié qui ne me correspondait pas. J'ai pris les choses en main. Même l'entretien de rupture, c'est moi qui l'ai fait. J'avais un avocat en face de moi. Je peux vous dire que je n'osais jamais lui parler pendant ces 6 mois de burn-out. Et là, je lui dis, non, mais écoutez, on va le faire simple. Vous savez très bien ce qu'il en est. Je veux juste partir. Vous n'avez rien à me reprocher. Ça a duré 3 minutes, l'entretien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'énergie. J'avais retrouvé la vie en moi. Ouais, cette étincelle pour me dire, j'ai l'espoir. Je reprends les choses en main et c'est go, quoi. À un autre moment de ma vie, j'ai vécu... Enfin, c'était pas un burn-out, je venais de perdre ma maman, on avait vécu des moments difficiles, elle était atteinte du cancer, je l'ai accompagnée dans cette fin de vie et je l'ai laissée partir parce que c'était son heure, je l'ai accompagnée, j'ai été là pour mettre les médicaments dans les doses, je peux vous dire que c'était très intense. Et quand elle est partie après, bien sûr, j'ai une phase où on se sent vide. Et à ce moment-là, je me dis, OK, il faut que je prenne le temps de me refaire, de me retrouver l'énergie de vie à l'intérieur de moi. Et
Bah oui, à ce moment-là, je me suis reconnectée à la vie. J'ai des enfants autour de moi. Alors, les miens sont très grands, hein, puisque mon fils a 28 et ma fille va avoir 23 ans cette année. J'ai un petit-fils de 2 ans, mais j'ai des neveux et nièces que j'adore. Et là, bah, c'est d'aller avec les enfants jouer parce que les enfants, ils sont nature, ils sont vrais. Et moi, je les adore. Donc, bah, j'ai pris du temps avec eux parce qu'ils ne sont pas dans le jugement, ils sont nature. Et puis, je me suis accordé un temps avec mon mari, on est parti en voyage. Une semaine en croisière, ça m'a fait du bien. Et puis petit à petit, un pas après l'autre, chaque jour, je remontais la pente. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, maintenant, allez, je suis prête. Par contre, je veux être accompagnée. Moi aussi, j'ai mon coach. Et oui, moi aussi, j'ai des mentors. Et ça m'a permis de faire l'étape d'après. Et voilà un petit peu le cheminement. Et c'était pareil pour mon burn-out, quelque part. Même si ça a été compliqué, parce que de 2012 à aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu vraiment des moments très, très, très difficiles. Des tempêtes, des moments où financièrement, il a fallu que je retrouve un job salarié parce que ce n'était pas possible. Parce que mon mari m'a dit, si on continue comme ça ne va pas le faire. Et alors qu'il me soutient et qu'il est avec moi et que il m'inspire aussi. C'est une personne que bah, c'est l'homme de ma vie. 30 ans de mariage cette année, ce n'est pas rien. Mais on a eu des moments très difficiles. Malgré tout, j'ai réussi à tenir bon par rapport à ce que je voulais faire. J'ai gardé mon objectif en tête. Je me suis protégée de mon environnement qui n'était pas favorable, qui m'encourageait pas, qui détruisait mes rêves pour pouvoir avancer. J'ai cultivé mon jardin secret quelque part pour aujourd'hui justement pouvoir faire ce qui me passionne et surtout le pouvoir le partager avec vous. Écoute, Maryse, merci beaucoup pour ces partages en toute authenticité, simplicité, pour ces beaux conseils, de t'être ouvert autant à nous. Et écoute. Avec plaisir parce que je suis convaincue que ça va inspirer les personnes, ça va leur donner l'étincelle, l'espoir que c'est possible. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Effectivement, moi j'ai fait un burn-out en 2018 et pareil, ça a duré 6 mois et je pensais pas. J'avais cette envie au fond de moi de me relever, mais j'avais plus cette sensation. Et quand cette étincelle revient, c'est waouh. Et pourtant, quand on est dans le burn-out, on n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir. Et pourtant, si, on s'en sort. Oui. Oui. Ah oui, j'en suis convaincue. Et On est ça. la preuve. Ouais. On est nombreux et nombreuses à dire que ouais, dans notre burn-out, c'est un renouveau et c'est. C'est une renaissance, effectivement. Et puis, tu vois, on n'est pas si loin de ce qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui sont malmenées, qui se sentent bousculées par tout ce qui se passe. Donc, c'est la même chose. Gardez le cap. Entourez-vous de personnes inspirantes, de personnes qui vont vous donner l'énergie, qui vont vous partager, qui vont vous donner l'espoir pour pouvoir avancer et tenir bon. Tenons bon. Merci en tout cas. Merci à toi. Je vous partagerai les liens dans la description de la vidéo, les liens pour découvrir donc la masterclass. Et si vous voulez suivre Maryse sur les réseaux sociaux et rejoindre la communauté Leadership au féminin, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup, Anna. À très bientôt. À bientôt.